life is more than a race. It's a journey. Find your passion. Find what drives you. Find your line. Salut à vous et bienvenue pour cette course commentée de Gran Turismo 7. Nous sommes sur le circuit de Monza aujourd'hui. Bonne chance à tous les pilotes et rendez-vous au premier virage, comme le dit si bien Julien Febvre. En pole, NRC Smoker. Deuxième, Max Lacizai. Troisième, Mich 15. Et quatrième, Jerem. Cinquième, LMS Perk. Sixième, WAM. Allez, voyons voir le début de course. Est-ce que NRC Smoker va réussir son premier virage? Oui, tout à fait. Il a fait un très bon freinage. Il est pris pour cible par 4 pilotes de la TZS. Que va-t-il se passer? Un petit écart se forme d'à peu près une demi-seconde, mais Max Lacizai ne lâche pas l'affaire. Attention, attention. Attention. Très très beau début de course et très très propre. On a peut-être Mich qui tente quelque chose sur Jerem. Mich qui va tenter quelque chose sur Jerem peut-être. Tout le monde est pied au plancher sur cette ligne droite. Et NRC Smoker ne flanche pas. Alors, voyons voir Mich. Mich qui va peut-être tenter le dépassement à la parabole. Il tente peut-être l'intérieur. C'est celui... Ah, il n'a pas retardé assez son freinage. Jerem a très bien freiné lors de cette parabole. En tête NRC Smoker, suivi de 4 pilotes de la TZS. LMS Perk est collé aussi derrière Mich. Attention au freinage, Mich. Mich tente quelque chose au freinage. C'est LMS Perk qui en profite, qui prend la quatrième place. LMS Perk qui se rapproche fortement de Jerem. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Ah là là, ils sont trois dans un mouchoir de poche. Et LMS qui va tenter quelque chose au freinage. Oui, ça passe pour LMS. Ça passe proprement en plus. LMS Perk, non. LMS Perk qui a fait la faute. Et du coup, Jerem passe à la troisième position, juste derrière Max Lacizai. Voyons voir l'écart avec le premier. Le premier est parti. Hein. Le premier est parti. Il est à peu près à 4 secondes devant. Mais Jerem et Mich sont juste derrière Max Lacizai. Une très très belle course pour le deuxième, le troisième et le quatrième qui se battent sans relâche. Nous arrivons à la fin de ce deuxième tour. Max Lacizai qui fait le coup du dragon pour éviter d'offrir l'aspiration à la voiture qui le précède.
Max la cisaille, qui lâche rien du tout. Il y a deux groupes qui se sont scindés lors de cette course. Le groupe de la deuxième jusqu'à la cinquième place et de la sixième jusqu'à la onzième. Jusqu'à la quatorzième, pardon. Max la cisaille qui est toujours en seconde position. Jérém qui le suit de près. Mich qui est là aussi. Hein. Mich ne se fait pas décrocher. On va essayer de voir le retour de LMS Perk peut-être. LMS Perk qui se bat avec Spike et qui prend la septième place. Ensuite, 9e, Anto, NFS Razor. 10e, Wham. 11e, Plaf Plaf. 12e, Knight Rider. 13e, Citaran. 14e, Fisher Stern. En tête, NRC Smoker, qui a à peu près, 5-6 secondes d'avance. Par contre, Max la cisaille a une pénalité d'une seconde. Je pense que ça va profiter à Jérém. Mais non, Jérém a aussi une pénalité. Donc Mich qui sent le bon coup venir, il tente quand même de dépasser Jérém, il y arrive, maintenant je pense qu'il va récupérer la deuxième place puisque Max la cisaille va bénéficier d'une pénalité. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça passe? Oui, ça passe pour Mich. Mich qui récupère la seconde place en raison de la pénalité de Max la cisaille. Elrico a profité aussi de la pénalité de Jérém pour prendre la quatrième place. Max la cisaille qui se rapproche de Mich. Oh là là, Mich a raté son freinage. Mich a raté son freinage et Max la cisaille prend la deuxième place. Elrico troisième. Belle bagarre entre Elrico et Max la cisaille. Que se passe-t-il? Est-ce qu'il va pouvoir faire l'extérieur, Elrico? Oui, non. Non, oui, ça passe au freinage. Ça va se décider au freinage de la chicane. Elrico, c'est propre. Il lui laisse la place à l'extérieur. Oh là là, c'est très tendu. Elrico qui se fait dépasser par Max et Jérém suite à un petit accrochage en sortie de chicane. Elrico qui ne décroche pas tout de même. LMS Perk qui est remonté à la cinquième place. Elrico qui tente le tout pour le tout. Juste derrière Max et Jérém. Attention. Oh là là, il tente l'intérieur. Il va tenter l'intérieur, Elrico. Ça va passer pour Jérém, je pense. Oui, ça passe pour Jérém, mais ça passe pas pour Max. Non, Jérém qui revient finalement et qui reprend sa troisième place. Oh là là, qu'est-ce que c'est tendu. Quelle belle bataille à la fin de ce quatrième tour. On a de la bagarre aussi derrière. Hein. On a Matt qui est proche d'LMS Perk. TZS Spike, 7ème position. TZS Mich, dommage qu'il ait raté son freinage à la première chicane du circuit. Wham, 10ème. Ensuite, Plaf Plaf à la 11ème place. On revient sur la tête du circuit. Oh là là, c'est très tendu entre les trois. On va rester avec les trois jusqu'au bout. Jérém qui tente de faire l'extérieur, ça ne passe pas. Est-ce qu'il va tenter de freiner plus tard que Max pour la chicane? Oui, ça passe pour Jérém. Magnifique dépassement pour Jérém. Elrico profite pour prendre la troisième place. Max la cisaille qui va tenter de faire quelque chose avant la fin de ce dernier tour. Ah, il tente de faire l'extérieur peut-être sur cette grande ligne droite.
Est-ce qu'il va freiner plus tard? Il n'a pas freiné plus tard. Oh là là, qu'est-ce que c'est serré. Qu'est-ce que c'est serré. Ah, je pense que ça va pas bouger. Victoire de NRC Smoker. Ensuite, nous avons Jerem et Elrico. Suivi de Max Lacisaille pour la deuxième, troisième et quatrième place respectivement. Jerem qui finit deuxième. Bravo Jerem, deux, troisième, Elrico, quatrième. Max Lacisaille, cinquième, LMS Perk. Sixième, Matt. Septième, Mich. Huitième, Spike. Neuvième, Anto. Wam, dixième. Onzième, Plaf Plaf. Qui sort de la parabole. Douzième, Rider. Citaran. Citaran, treizième. Et 14e Stern, magnifique victoire de NRC Smoker, bravo à lui. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine course commentée. À plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à la revoyure, dans la voiture et à jamais dans le tramway bien sûr. This is more than a race. It's a journey. Find your passion. Find what drives you. Find your line. PlayStation.